Et puis, bon, c'est tout, on va travailler avec tout ça. Et puis aussi, j'ai ce vecteur O, bon, ça c'est un vecteur O1 qui est égal à AT suivant K, et puis O1M est égal à rho euro. Bon, il est demandé de trouver les vitesses relatives vers les vitesses relatives d'entraînement. Donc ça veut dire de trouver la vitesse. Bon, si je lis comme ça les vitesses relatives, et si je fais un point, c'est comme s'il y a plusieurs vitesses relatives. Non, il y a une seule. Donc, il est dit de calculer les vitesses relatives et d'entraînement. Donc, ça veut dire 2. Donc, c'est pour cette raison qu'il est dit les vitesses. Bon, normalement, bon, pour bien comprendre, calculer la vitesse relative et puis la vitesse d'entraînement et déduire la vitesse absolue. Bon, on va un petit peu donner un tout petit rappel sur la vitesse, la composition du vitesse, du vecteur vitesse. Donc j'espère que tout ça est bien clair. Bon, mais qu'est-ce qui se passe exactement? Donc, il est dit que R1 tourne autour de l'axe OZ. Ça, dans un premier temps, ce référentiel tourne autour de l'axe OZ. Et puis, donc, ça, c'est le vecteur rotation. Et puis en même temps, bon, cette tige-là qui est là, elle tourne autour de l'axe O1Z. Bon, ce qui m'intéresse, et puis ce point M, il glisse sur la tige T. Ce qui m'intéresse, c'est étudier le mouvement de ce point M, déterminer sa vitesse absolue et l'accélération absolue de ce point. Voilà. J'espère que tout cela est bien clair. Je l'espère bien. Donc, bien sûr, bon, on a fait tout ce qu'on peut pour que ce message, ok, pour émettre ce message, bon, je ne sais pas comment vais-je encore expliquer tout ça, c'est le max. Donc, j'espère que c'est clair. On va donner un tout petit rappel sur la vitesse absolue et la vitesse et la accélération absolue. Donc, si vous ne comprenez pas quelque chose, bon, puisque on n'est pas vraiment en contact, s'il y a des étudiants, bon, on peut se poser des questions directement, mais je sais pas, bon, si vous ne comprenez pas quelque chose, il suffit de le commenter, on pourra répondre. Voilà. Donc là, on va donner des donc on va calculer bien sûr la vitesse absolue et l'accélération absolue. Donc la vitesse absolue, c'est quoi? Donc maintenant, donc veuillez s'il vous plaît écrire toutes ces données. Ces données vont bien sûr nous servir. OK? Donc qu'est-ce que la vitesse absolue et l'accélération absolue? Donc, la vitesse d'un point M par rapport à un référentiel R. Donc, en fait, la vitesse, on peut décomposer la vitesse d'un point matériel. On peut décomposer cela en deux choses. La vitesse relative de M plus la vitesse d'entraînement de M. Bon, on peut bien sûr donner des exemples. Un exemple très très simple. Bon, imaginez par exemple. Donc, d'abord, bon, la vitesse relative, c'est quoi? La vitesse relative, c'est la vitesse du point M par rapport au référentiel relatif, plus la vitesse d'entraînement de M. On va voir ce que c'est la vitesse d'entraînement. Donc, bien sûr, donc avec R, c'est l'absolu quand on parle là. Et puis, R1, c'est le relatif. Bon, l'absolu, c'est un référentiel qui est fixe, qui ne bouge pas. Et puis le référentiel relatif, c'est un référentiel qui bouge.
Prenons par exemple l'exemple d'une voiture. Donc je vais écrire d'abord l'expression de la vitesse d'entraînement de M. Donc c'est la vitesse, donc ça la vitesse relative, c'est V de M par rapport à R1 plus, bon, la vitesse d'entraînement, c'est la vitesse du point O1 par rapport à R avec donc O1, c'est l'origine du relatif. Donc la vitesse de O1 par rapport à R plus oméga de R1 par rapport à R vectoriel O1m. Donc c'est ça, ça c'est la vitesse d'entraînement et puis ça c'est la vitesse relative. Donc, s'il vous plaît, donc pour bien comprendre cela, donc qu'est-ce que l'entraînement d'abord? Bon, c'est quelque chose qui m'entraîne. La vitesse d'entraînement, c'est quelque chose qui m'entraîne. Donc, imaginez que par exemple, vous voyagez dans un train très 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 lent, je ne sais pas combien il est lent. Imaginez que ce train, bon, notez s'il vous plaît ça. Pour obtenir de la place, je vais effacer tout ça. Donc, je vais effacer tout ça comme ça. Bon, notez-moi cette vitesse. Bon, d'ailleurs, je vais la noter quelque part là, pour que vous voyez bien ce que ça veut dire, la vitesse relative, la vitesse d'entraînement. Et puis, on va enchaîner avec l'accélération d'entraînement. L'accélération relative et puis s'ajoute une autre accélération qui est l'accélération de Coriolis. Donc on a dit que la vitesse du point M par rapport à R, bon, notez avec bien sûr R, c'est donc R, c'est l'absolu, le référentiel absolu. L'absolu, donc sans E, donc si je l'écris avec un E, pardon, donc c'est sans E parce que c'est un référentiel, et puis R1, c'est le relatif. Donc la vitesse de M par rapport à R, c'est la vitesse de M par rapport à R1 plus la vitesse de R1 par rapport à R plus, donc je vois si vous voyez bien, oui, donc plus la vitesse de O1 par rapport à R. Donc, c'est la vitesse de M par rapport à R1 plus la vitesse de O1 par rapport à R plus oméga de R1 par rapport à R vectoriel O1m. Donc, on va voir ce que ça veut dire de cela. Donc, imaginez par exemple que vous voyagez dans un train. Dans un train, par exemple. Dans un train. Et puis, donc là, c'est la Terre. La Terre, c'est le référentiel qui ne bougera jamais. C'est le référentiel absolu qui est... Bon, ça, R. Donc, ça, c'est R. Et puis, le référentiel associé au train, c'est le référentiel relatif. Bon, ça, c'est O1. Et vous, c'est ce point M, par exemple. On vous considère comme un point matériel. Bon, un point matériel, c'est un point qu'on considère, qu'on néglige ses dimensions. Donc, c'est de dimension zéro. Voilà. Donc, imaginez par exemple, bon, le train, bien sûr. Donc, le train, c'est quelque chose comme ça. Bon, je ne sais pas, moi. Donc, un wagon, je ne sais pas quoi. Donc, ce wagon, il se déplace. Imaginez que ce wagon se déplace. Et vous aussi, vous avez une vitesse. Bon, vous êtes là, par exemple. Ce wagon, il est tellement long que je ne sais pas combien il est long. Donc, imaginez que vous, par exemple, vous, comme un point matériel, quand je vous considère comme un point matériel, et là, vous avez une vitesse. Une vitesse, bon, vous avez une grande vitesse. Vous avez une vitesse de, bon, je sais pas moi, donc vous courez, et puis en plus de vous courez, et le train aussi court, le train bien sûr il bouge avec une vitesse, je sais pas combien, donc votre vitesse d'abord par rapport à votre vitesse de 1 par rapport à R1, c'est votre vitesse qui est égale. Votre vitesse est,
si vous vous voyez seulement dans le train, si vous voyez seulement dans le train, vous ne dites pas, bah, ma vitesse, si quelqu'un par exemple me voit, si quelqu'un par exemple est là. Il vous voit par exemple, il ne voit pas votre vitesse. Bon, moi si je cours par exemple, si je cours et si je suis dans le train. Donc j'ai une vitesse, par exemple, votre vitesse qui est égale à 30 km ou je ne sais pas moi. Donc c'est votre vitesse. Votre vitesse que vous sentez, que vous sentez vous-même, ou je dirais votre vitesse dans le train. Dans ce référentiel R1. Mais si quelqu'un, par exemple, vous voit de là, si quelqu'un vous voit, eh bien, c'est donc la vitesse de M par rapport à R. Donc, ce quelqu'un, il est dans la Terre, il est sur Terre. Bon, c'est le référentiel R. Donc, la vitesse de M par rapport à R, c'est votre vitesse par rapport à R1 plus la vitesse de E1 par rapport à R, qui est la vitesse du train. Bon, si le train a un mouvement rectiligne, eh bien, c'est seulement la vitesse de 1 par rapport à R. Eh bien, s'il fait, par exemple, un mouvement comme ça, bon, si, voilà le train, s'il fait un mouvement comme ça, ou bien, bon, s'il tourne, eh bien, on ajoute plus oméga de R1 par rapport à R vectoriel en 1m. Donc, ça, c'est la vitesse relative, et ça, c'est la vitesse qui vous entraîne. C'est la vitesse entraînante qui vous entraîne, c'est la vitesse de ce train. Voilà. Ok, j'espère que c'est clair.